vous regardez ETV. Ça aurait été vraiment un miracle si elle s'en était sortie, puisque le harpon a perforé ses poumons, enfin un poumon, le système digestif aussi, et hémorragie. Et elle avait en plus un hameçon en travers de la gorge. Donc les chances qu'elle s'en sorte étaient vraiment nulles. On a quand même essayé, et la première chose à faire a été d'essayer de retirer le harpon, et c'est à ce moment-là qu'elle est morte. Tous les chasseurs sous-marins le diront, pour tirer une tortue, on ne le fait pas sans faire exprès, c'est vraiment un acte qui est volontaire. Et c'est vraiment barbare, parce que ça ne peut pas être de la défense, parce qu'une tortue ne viendra pas vous agresser. Et on pense en plus que la tortue a voulu sonder, donc a voulu descendre pour s'enfuir une fois que le harpon l'avait traversé, et que le chasseur a coupé sa ligne, parce qu'on voit vraiment la section qui est nette sur la corde qui retient la flèche. Et du coup, c'était volontaire, et ça a coûté la vie d'un animal.